Alors, je vais vous raconter une petite histoire sur quelque chose qui m'est arrivé récemment où un collègue de mon labo m'a envoyé cette plaquette là, réalisée par un réseau Devlog, EcoInfo, un réseau du CNRS, ou je ne sais pas exactement ce que c'est en fait. Mais bon, toujours est-il qu'il faut une plaquette sur les bonnes pratiques pour l'éco-conception de services numériques, enfin, les trucs de logiciels. Et là-dedans, il y a notamment une page, bon, peu importe, je vais quand même y aller. Ça va vite. Voilà, qui est celle-là qu'il faut choisir son langage pour pas faire n'importe quoi, point de vue de l'éco-conception de logiciel. Un framework adapté. Et il y a notamment cette figure qui est tirée d'un article qui est paru récemment dans Nature Astronomy. Et donc, ça m'a incité à aller revoir un peu plus cet article, ce que j'ai fait. Donc, cet article, il est là, en fait, c'est juste une note, hein, c'est un tout petit truc. The Ecological Impact of High Performance Computing in Astrophysics. Et ils disent que faire des calculs, ça prend quand même, c'est pas très bon pour la planète, et qu'il faut choisir son langage, et que notamment Python est catastrophique. Donc il y a cette figure qui montre que Python va très lentement et est très mauvais en termes de production de CO2. Donc j'ai voulu savoir un peu plus ce qu'il en était, et donc ils disent avec quel code ils ont fait ça. Donc voilà, donc j'ai pris les codes qui étaient là-dedans et je me suis amusé à regarder comment était le code Python et est-ce qu'on pouvait faire aller ça un peu plus vite. Et voilà. Donc je vais vous montrer. Enfin non, je vais pas vous montrer tout de suite le code originel parce qu'il est vraiment tellement horrible que c'est pas la peine. Par contre, je vais vous montrer ici, enfin pas complètement, mais un tout petit peu un bout du code qui permet de faire ce qu'il faut faire, et qui est pour le coup écrit en NumPy, très classique. C'est vraiment ce qu'on pourrait attendre d'un étudiant. On lui explique comment faire du NumPy, et on lui demande un code ça. Il pourrait en gros faire ça. Donc il y a une boucle sur le temps. Donc oui, le peut-être que je peux dire là, ce problème là, c'est le n-body. C'est un truc de calculer l'évolution de la position et la vitesse de planète. Enfin, de corps stellaire, et donc en fonction du temps, et ils interagissent avec la gravité. Et donc voilà, le code il est pas très compliqué, enfin il est pas compliqué du tout. Tu prends l'accélération et tu vas calculer, enfin tu calcules l'accélération et tu calcules les positions et les vitesses en faisant avancer en temps. Donc tu as une boucle en temps qui est ici, et cette boucle en temps elle fait intervenir une fonction qui prend beaucoup de temps, et c'est ce compute accelerations, et qui prend les accélérations, les masses et les positions, et va calculer l'accélération, et qui prend beaucoup de temps parce que pour chaque particule, on doit aller voir pour toutes les autres particules, en gros, quel va être, enfin, l'effet sur l'accélération des particules. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc si on prend ça, vraiment ce code-là, et qu'on commence à vouloir avoir beaucoup de particules et faire aller, enfin, pas énormément de particules, mais quelques particules, on se rend compte que c'est hyper, hyper peu efficace. Donc là, c'est cette case-là, ça c'est les nombres que je montre ici, c'est des temps elapsed times, donc des temps passés, des temps physiques. C'est pour 128 particules, et si on prend juste ce code-là, ça met très longtemps avec. Voilà. Donc c'est vraiment. Effectivement, pas bon du tout. Alors, par contre, on peut s'amuser à faire un tout petit peu mieux. Et le tout petit peu mieux, là, je vais prendre un petit exemple. Je vais juste rajouter deux lignes dans mon code. Je vais juste faire ce from transonic import JIT, et je vais faire ce @JIT là-dedans. Donc, c'est vraiment juste deux lignes. Et là, on passe de 686 secondes à 2,4 secondes. Donc, avec deux lignes seulement. Donc par derrière le transonic là, c'est triché parce que par derrière ça utilise vraiment Pitran. Hein. C'est vraiment Pitran qui va faire tout le boulot. Donc il fait une énorme accélération. Donc ça montre quand même que le langage en lui-même est pas catastrophique, mais par contre l'implémentation est quand même
potentiellement problématique si on veut faire des genres de calculs comme ça, bien sûr. On n'est pas obligé de faire des genres de calculs comme ça en Python. Mais dès qu'on veut faire du calcul scientifique, si on fait juste du high-level NumPy, attention. Voilà. Excuse-moi, je pense que tu peux rappeler ce que c'est Pitron. Et donc Pitron, c'est un compilateur qui prend du Python et qui le compile en natif, en langage natif, enfin en instruction native, très efficace en passant par du C++. Enfin, c'est un transpiler Python C++. Donc voilà, donc quand on fait ça, en fait, tout notre code, là, cet appel, tout le code, il va vraiment être en C++, sans interaction avec l'interpréteur. C'est ce qui va vraiment faire que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Bon, et après, on peut aller un peu plus loin. Et donc, aller un peu plus loin, on peut changer un tout petit peu le code, hein, et utiliser Transonic d'une façon un petit peu différente. Là, ça c'était, hein, j'avais juste mis Transonic import gist, donc c'était just-in-time completion. Et là, je vais pouvoir faire c'est la version qui va très très vite, celle-là. Donc, quand je dis qu'elle va très très vite, je peux vous montrer peut-être à quel point elle va très très vite. Maintenant, là, j'utilise beaucoup plus de particules. Là, avec la version sans accélération, c'est complètement impossible d'aller avec ce nombre de particules, mais en utilisant les bons outils, on peut. En Python, donc en Python, là, cette version, là, elle va mettre 29 secondes, par exemple, pour 1024 particules. Et les codes C++, l'implémentation C++ qui était proposée dans l'article. Enfin, pour l'article, c'est pas une très bonne implémentation C++, on pourrait l'accélérer facilement, mais bon, j'ai gardé la même pour pas pour pas tricher. Et avec les mêmes flags de compilation, là, ça va quasiment deux fois plus vite la version Python. Donc, si on veut voir ce que ça donne dans la figure, donc ça devient en gros ce point. Alors là, j'ai pas fait la mesure de production de CO2. Le collègue qui travaille là-dessus pourrait bien la faire dans mon labo, pourrait bien la faire, mais bon. On voit qu'en gros, c'est bah, proportionnel au temps passé. Donc, on peut se dire qu'on va être en gros par là. Donc, c'est pas si mauvais en écrivant que du Python. Donc, je peux vous montrer l'implémentation qui est ici, où il n'y a quasiment rien qui change. Donc, sauf que ici, donc, je fais de la compilation, pas à la volée, mais la compilation ahead of time. Et donc là, quand on fait de la compilation comme ça, il faut lui dire quels sont les types d'entrées. Donc là, les types d'entrées, ça va être des floats, des ints, un tableau unidimensionnel de float, un tableau et des tableaux bidimensionnels de float. Alors, on voit que, donc ça, c'est une syntaxe Python 3 pour donner les types. Mais par contre, en Python, on n'a pas de, nativement, on n'a pas d'arrêt de unidimension, enfin, on a un arrêt unidimensionnel, mais on n'a pas d'arrêt bidimensionnel. Donc, on peut pas vraiment lui donner, enfin, il n'y a pas de vraie syntaxe pour écrire des types. Donc on se débrouille. Donc là, j'ai fait une façon de se débrouiller, qui est faut écrire les types de NumPy Array, je veux dire. Là, c'est la façon de se débrouiller en lui mettant juste des chaînes de caractères qui retranscrivent quels sont ces types. Voilà. Et ensuite, il y a quelques petites modifications dans ce code, et donc notamment des petites modifications qui sont d'aller écrire des boucles. Un peu plus manuel que le code classique qu'un étudiant, enfin n'importe qui aurait fait un tout petit peu de Python NumPy écrirait. Mais donc voilà, il n'y a vraiment quasiment aucun changement, et ce n'est pas des changements compliqués, tu n'as pas vraiment besoin de savoir beaucoup de choses sur la. Voilà, c'est très, très maintenable comme code. Voilà. Et donc ça donne des super perfs, hein, par rapport à l'implémentation C++, par rapport à l'implémentation Fortran, par rapport à l'implémentation Julia, on est vraiment. Très très bon. Bon, allez, voilà, c'était ce que je voulais dire. Et ensuite, je vais quand même juste aller dire que on va. Donc ça, c'est pour le petit nombre de particules là où je pouvais encore faire tourner le code juste de NumPy. Et donc ça, c'est le cas pour Pitran fait ça en moins d'une demi-seconde. Donc Numba est On peut avoir des très bons résultats en Numba. En Numba, il va falloir peut-être un peu plus changer le code
que ce qu'on écrirait traditionnellement. Enfin, donc, pas traditionnellement. Ce qu'on écrirait quand on fait du NumPy, qu'on nous dit il faut faire du high level, d'ailleurs, c'est joli et c'est facile à écrire souvent. Là, il va falloir un peu plus changer le code. Avec Numba, il y a pas mal d'autres, il y a pas mal de choses qui sont pas supportées, mais bon, ça marche bien et ça donne des très bons résultats. Et alors, par contre, ce que je voulais aussi dire, c'est que j'ai aussi essayé de travailler sur des implémentations qui sont efficaces avec PyPy. Et là, on arrive à des choses qui sont très raisonnables. Donc là, PyPy, donc on a déjà parlé un petit peu avant, un interpréteur Python qui est écrit globalement en Python et qui utilise une just-in-time, enfin de la compilation just-in-time pour faire aller Python vraiment plus vite. Donc là, on est vraiment dans complètement interprété. Tout ça. Et donc on a des implémentations. Donc une implémentation, il y a deux façons de l'écrire, enfin deux grosses façons de l'écrire cette algo, soit complètement où les particules c'est des classes, enfin donc où il y a une classe particule et on manipule des petits objets particules. Ça c'est l'implémentation object oriented programming. Et une autre implémentation qui est plus en mode à la NumPy avec des arrays, et des listes de nombres. Comme les autres implémentations là. Donc là, et on arrive à des choses qui sont vraiment vraiment très bonnes. Pas super super bonnes, mais bon, ça devient 4 fois plus lent que l'implémentation C++. Ça devient très raisonnable. Enfin, quand on est un facteur 4, ok, des fois on a envie d'aller plus vite, mais c'est déjà très bon. Et ça, c'est vraiment juste en Numba, juste en PyPy. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Il a fallu travailler carrément plus quand même. Donc là, c'est une implémentation en mode particule. Donc voilà, on a une classe particule. Là, on a des trucs qui s'appellent NPArray, mais en fait, c'est pas du NumPy parce que Numba et PyPy est très mauvais avec NumPy. Donc on a été obligé de réécrire ce dont on avait besoin en pur Python. Voilà, mais bon, sinon après, c'est du joli Python, c'est plutôt satisfaisant comme code, et voilà, et ça marche bien dans le sens où c'est quand même très efficace par rapport à ce qu'on nous dit de ce qu'on peut nous dire quand on sortait la, enfin quand on voyait la figure de l'article sorti dans Nature Astronomy où on voyait Python qui était vraiment très 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 mauvais. Et puis si on écrit du Python et qu'on et, ah oui d'ailleurs si on prend ce code-là bench pure py qui est efficace avec PyPy est 100 fois plus rapide que CPython pour ce code-là. Donc moi, il me semble que ça montre quand même que dans l'avenir, PyPy pourrait devenir vraiment vraiment intéressant pour le calcul scientifique. Et donc dans l'avenir, en fait, le gros problème avec PyPy, c'est qu'il n'y a pas NumPy, mais il n'y a pas toutes les librairies où il y a des où, qui utilisent l'API de CPython vont être très très peu efficaces avec PyPy. Mais donc il y a potentiellement un projet qui pourrait permettre que les autres implémentations de Python soient beaucoup plus efficaces, c'est HPy. Et je pense que ça peut devenir très intéressant. Donc je vous invite à regarder ce que ça peut donner. Voilà ce que je voulais raconter sur ce petit projet. Eh bien, c'était très intéressant. En effet. Et en plus, on apprend que l'auteur de Pitran, je sais pas, est donc ici présent. Je sais pas si tu veux Nice. intervenir vite fait, Serge, du coup. Ou est-ce que, avant tout, est-ce qu'il y a des questions, en fait? Excusez-moi. Et donc, tu es astrophysicien, alors? Moi, je suis Pierre. pas astrophysicien. Hein. Je fais de la mécanique des fluides, je fais de la turbulence. Mais la turbulence intervient en astrophysique, par exemple dans le Soleil, dans les galaxies, les trucs comme ça. Et donc voilà, tu as comparé avec Numba. Oui, donc j'en ai un petit peu parlé. Numba, là, on atteint des bonnes perfs. Hein. Alors dans leur article, je ne sais pas pourquoi, ils avaient mis Numba qui était 2 fois plus lent que leur implémentation C++. Moi, j'ai rien écrit d'exceptionnel et j'ai Numba
qui est aussi rapide, même un peu plus rapide, mais bon, c'est anecdotique, que l'implémentation, que leur implémentation C++, enfin c'est pas leur implémentation d'ailleurs, que l'implémentation C++ qu'ils ont utilisé. Donc Numba va vite, hein, ouais. Un peu moins vite. Et surtout, on doit un peu plus modifier le code. Hein. Si tu prends juste le code, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Si le code high level NumPy, si juste je mets transonic import JIT et je rajoute arrobase JIT, pouf, il se met à aller très vite. Donc ça, c'est parce que ça utilise Pitron et que Pitron est fort pour accélérer ce genre de code. Et avec Numba, il va te dire bam, il va te péter à la figure et te dire non, j'arrive pas à faire ça. Et donc il va falloir beaucoup plus transformer le code. Pour qu'il y arrive. Est-ce que tu as fait un papier, du coup, pour contrecarrer celui qui se fait payer en 3080 ? Non, j'ai pas fait de papier, là, je viens juste de faire ce truc-là, donc faut réfléchir si ça vaut le coup d'avancer un peu plus. Bien sûr, moi, je pense que ce serait intéressant en faisant la mesure de consommation d'énergie. Et ça, ça, on voudrait bien, on aimerait bien le faire. Mais voilà, c'est autre chose. Oui, là, ça reste l'objectif quand même de l'article précédent, c'était de montrer les aspects écologiques, pas les. Parce que là, on parle surtout de performance. Effectivement, il y a l'air d'avoir une corrélation entre le temps d'exécution et la consommation électrique et du coup la création de carbone. Mais c'est pas. Je me demande si vraiment cette corrélation est pas biaisée justement. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça vaudrait le coup de confronter ces résultats à vraiment des études, les études effectivement de consommation et de production de CO2, quoi. Pas biaisé, je sais pas. Il y a quand même des bons arguments physiques pour dire que ouais, ton ordinateur, si tu le fais fonctionner 24 heures et si tu le fais fonctionner une heure, bah, il va consommer 24 fois plus. En gros, en plus, si tu le fais tourner à 100% de son CPU, ce que généralement les codes qui sont un peu efficaces ont envie de faire. Voilà, il va consommer beaucoup plus. Ensuite, si tu utilises des je sais que les instructions CMMD des processeurs, elles vont pouvoir consommer plus. Donc il y a des différences. Et puis en carte graphique, tu vas consommer moins. Mais il y a des processeurs qui vont consommer moins. Mais globalement, quand même, et d'ailleurs c'est ce qu'il y a sur cette magnifique figure. On voit bien la corrélation linéaire en temps, énergie et proportionnelle au temps est bien respectée, ce qui n'est pas étonnant, il me semble. Et d'autres questions ? Ouais, Bruno, tu suggérais que j'intervienne ? Vas-y. Je ne vais pas vendre ma soupe, hein. De toute façon, Pierre l'a très bien fait, donc c'est pas la peine. Par contre, ce que je trouve intéressant là, dans le premier exposé et dans celui-là, c'est qu'il y a quand même un amalgame qui est fait entre Python, Celan, Python qui est un langage, juste une spécification, et l'implémentation de référence de Python, c'est Python, qui n'est pas adapté à tous les problèmes, et puis le développeur qu'on met dans l'histoire et qui peut écrire des algorithmes en ne connaissant pas bien les propriétés des objets qu'il manipule. Parce que là, voilà, apparemment, si tu réécris le code Numba, tu peux aller aussi vite, voire plus vite que le code C++ quand il est mal écrit. Tu prends la même spécification de Python, tu la spécialises dans un cas et avec Pitron, tu vas aller plus vite. Mais si tu veux le cas générique, tu vas aller moins vite. Donc, ce que je dis souvent quand je fais des présentations sur ce sujet-là, c'est comme dire qu'une voiture de course, c'est rapide. Mais non, parce que moi, si tu me mets au volant d'une voiture de course, je vais aller tout doucement pour pas rentrer dans le mur, hein, ou dire que les baskets de Carl Lewis, elles sont pas plus rapides que mes baskets à moi. Donc, je trouve ça un peu triste que dans un article de science qui paraît dans Nature, donc a priori, avec des gens intelligents, ils disent voilà, Python, c'est nul. Parce que, non, l'implémentation de référence de ces Python mises entre de mauvaises mains donne de mauvais résultats. Voilà, je pense pas qu'on puisse en conclure autre chose. Mais mis entre de bonnes mains, avec de bons outils, on peut tirer des choses intéressantes du langage, il n'y a pas de souci.
Puis c'est vrai, tu touches du doigt aussi quelque chose de fondamental, c'est que les gens ont tendance à oublier que Python, c'est une spécification de langage et pas un outil à proprement parler. D'ailleurs, on le voit avec PyPy et toutes les autres implémentations. Et les gens n'ont pas forcément cet état d'esprit-là non plus quand ils abordent Python, enfin. Donc, du coup, c'est vrai que c'est important de bien mettre en perspective les outils et leur réalité technique dans les usages qu'on va en faire, quoi. Et c'est chose qui n'est pas toujours fait, malheureusement, dans ce genre d'article. Et par contre, on peut préciser quand même que parmi, là, on a vu Numba, Pitran, Python et PyPy, les deux seuls à et Citon, les deux seuls à implémenter la spécification Python complète, c'est PyPy et c'est Python. Ni Numba, ni Pitran, ni Citon ne le font parfaitement. Citon le fait en grande partie. Je crois qu'il y a quelques petits détails sur lesquels il est différent. Et Numba et Pitran, c'est la fête à la saucisse. On prend un langage qui est syntaxiquement Ah oui. ressemblant, enfin, inclus dans Python, mais on lui colle une sémantique différente. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc voilà, Pitran ne rend pas Python plus rapide. Et Numba non plus. C'est peut-être pinaillé, mais c'est. Faut pas enlever le mérite qu'a PyPy de supporter l'ensemble du langage. Et voilà, faut juste être conscient de ce dont on parle. Voilà. Et Je c'est me remets. important de le rappeler. C'est le phénomène classique, c'est que quand on a un marteau dans les mains, tous les problèmes peuvent ressembler à des clous. Et ben, c'est important de savoir que c'est pas toujours le cas et que chaque outil est adapté à ses circonstances et que ces outils, ben, peuvent avoir des biais, des faiblesses et qu'il faut en avoir conscience. C'est une bonne conclusion, je pense, par rapport à cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gens? J'en ai raté, Bruno? Non, ça parle, c'est parti sur MicroPython, sur... Il n'y a Juste pas vraiment de questions. une petite Vas-y, remarque vas-y. éventuellement, ouais, sur l'article et tout ça, parce que du coup, enfin, moi je bosse dans l'astro et puis c'est un article qui a choqué un petit peu les gens, ouais. Enfin, moi je bosse pas mal sur Astropy, donc Python pour l'astro. Et ouais, donc cet article fait partie d'une série d'articles sur l'impact de l'astrophysique, quoi, des observatoires, etc. Donc il y a pas mal de choses intéressantes dans la série d'articles, mais la partie sur vraiment Python, dans cet article en particulier, c'est quand même un gros troll, quoi. Donc après, en astro, faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur des très grosses simulations cosmologiques, où tu simules vraiment tout l'univers avec donc des simus sur des centres de calcul avec plusieurs milliers de cœurs et puis du Fortran principalement. Et je pense que c'est vraiment un gros troll de la part de ces gens-là sur dire qui voient Python d'un assez mauvais œil. Du point de vue performance, quoi. Mais voilà, après Python, c'est utilisé dans pas mal de domaines, mais c'est les gens qui font leurs petits scripts. Enfin, ça dépend vraiment de ce que tu fais avec, quoi. Et je pense que tout le monde en est conscient que on peut pas juste dire c'est le langage qui est lent, quoi. Voilà.